Bonjour, c'est Dominique. Alors, on commence la série tuto aujourd'hui pour notre premier album de Noël. Alors, vous avez vu hier le dévoilement. Alors, moi, je commence. J'ai pas vu le dévoilement. Je l'ai pas fait encore. Alors, je vais le faire avec vous. Ça me fait super plaisir. J'avais hâte de faire ce projet. J'avais reçu l'hiver dernier de jolis embellissements pour faire deux types, finalement, d'albums de Noël. Et puis, je vais écrire dans la boîte de description exactement qui, parce que je n'ai reçu tellement que je suis toute mêlée. Surtout, j'ai pas de mémoire des noms. Mais je vais écrire dans la boîte de description qui m'a envoyé les embellissements en question. Alors, merci à ces personnes. Vous m'avez beaucoup inspirée pour faire, surtout la personne qui m'a envoyé les deux couleurs. Alors, les couleurs de rose et bleu, pour le Noël rose et bleu. Et puis, les couleurs traditionnelles, qui sera un autre album que je ferai à la suite. Alors, il va y avoir cette série-ci. Ensuite, il va y avoir la série des flocons de neige au quilling. Et puis, ensuite, il va y avoir le tirage de l'ange. Et puis, ensuite, on fait la deuxième version, alors un deuxième album qui va être différent. Album de Noël avec les couleurs traditionnelles. Alors, comme je vous dis, je mets dans la boîte de description le nom des personnes, s'il y en a plusieurs, je crois que oui, qui m'ont offert. Alors, chaque petit éléments d'embellissement, je vais aller voir d'où ça vient et puis je vais mettre la liste des noms. Alors, j'ai beaucoup de vidéos regardées de joyeux courriers. Alors là, je vais commencer par l'album rose et bleu. Alors, vous allez voir, il y a du rose et du bleu. Parce qu'il y a beaucoup de papier. Et puis, il va probablement me rester des papiers qui pourraient servir à l'autre album, les couleurs traditionnelles, où est-ce que j'ai moins de papier. Alors, s'il y en a qui peuvent me servir, tant mieux. Puis ici, c'est possible que je fasse deux albums différents avec ce que j'ai ici. Alors, je vais vous montrer ça. Ça va être des albums faciles. Vous avez vu le dévoilement. Alors, ce sont des tutos faciles et originales. Alors, ce sont des nouveaux styles de pages. Alors, j'aime beaucoup avoir des nouvelles choses. Les pages... alors, si je réussis à faire les pages de... Alors, la page verticale et la page horizontale, c'est ce que j'ai en tête. Alors, j'espère que je vais réussir. La dernière fois, j'avais voulu la faire. C'était l'album d'automnal. Et puis, je m'étais trompée dans la direction des doublures de pages. Alors, ça, je vais le faire correctement cette fois-ci. Alors, vous allez voir, ce sont des nouvelles pages bien intéressantes. Et puis, l'autre album sera quelque chose de complètement différent. Alors, les papiers, comme je vous avais dit, quand je vous avais fait la description de ce que j'avais eu comme papier, j'avais fait ça, je crois, au mois de février ou mars. J'allais à la boutique où est-ce que j'allais une fois par mois, l'hiver dernier, faire du scrap avec d'autres dames. Et puis, ils ont toujours des balances de séries de papier design. Et puis, ils étaient tous en spécial. Alors, j'en ai pris plusieurs. Surtout plusieurs de la même, pas toutes. Celle-là, j'aurais dû en prendre deuxième. Mais bon, peut-être qu'il y en avait juste une. Mais il y en a que j'ai pris plusieurs, surtout celles qui ont des cartes et dont l'arrière est bien intéressant. Alors, j'en ai pris deux ou trois ou quatre. Alors, je me suis pas gênée. Les petites bordures, j'en ai pris quatre. Bon. Alors, je vous les montre rapidement. Je vais vous montrer dans ce sens-ci. Alors, ici, on a les petites maisons. Je trouve ça bien joli. Peut-être que je les utiliserai pas toutes parce que ça devient redondant. Alors, peut-être deux fois. Puis, l'arrière ici. Alors, je vais garder ceux qui m'intéressent le plus. Peut-être celle-ci. Et puis, celle-ci, peut-être. Je verrai. Parce qu'il y a des bordures. Je veux pas qu'il y ait trop de mots anglais. J'essaie vraiment d'éviter, là, mais parfois, on n'a pas le choix. Il y en a toujours. Mais peut-être que je prendrai de ici à ici. Ça serait bien. Mais bon, je vais utiliser les deux côtés. Ça, c'est certain. Ici, alors, vous allez voir que les couleurs se ressemblent. C'est la même collection. Alors, ça, c'est de Pink and Fresh. Pink Fresh. Pink Fresh. La collection s'appelait Home for the Holidays. Voilà, je pense que c'est ça. Non, ça c'est le nom du papier, du design. Alors, je n'ai pas le nom vraiment de la collection, mais bon, c'est une collection de Noël. Alors, il y a celle-ci. Bon, celle-ci, je l'aimais moins. Alors, celle-ci, je l'aimais beaucoup. Alors, je crois que j'en ai pris qu'une seule, celle-ci. Alors, ça ici, plusieurs cartes pour des pochettes, des espaces en serre, des embellissements sur des pochettes ou sur des fonds de page, des petites étiquettes, toutes sortes de choses. Alors, ça va être bien mignon, vous allez voir. Je vais toutes les découper. Je crois que j'en ai pris deux de ça. Oui, j'en ai quatre même. J'en ai d'autres parce que j'aimais beaucoup le carrelé. Alors, j'en ai pris trois feuilles, trois ou quatre feuilles. Alors, je vais utiliser les deux côtés, ça c'est certain. Ensuite, ici, les petits cadeaux. Alors là, les petits cadeaux, je vais faire un pop-up parce qu'il y a une page où est-ce que j'ai un rabat qui ouvre. Je crois. Je vais essayer d'en faire un, en tout cas, quelque part, avec des petits cadeaux qui sont comme les cartes de Alice. Alors là, je le ferai maintenant que je l'ai fait déjà une fois. Alors, je le ferai en entier pour vous montrer comment procéder.
Alors, les cadeaux, les sacs, tout ça, les cadeaux emballés. C'est une belle occasion pour faire le pop-up en question. Ça, c'est l'arrière. Il est un peu flash. J'en ai d'autres jaunes ailleurs, mais bon, peut-être pas aussi flash que lui. Peut-être que je n'utiliserai juste... Il y a des petites bordures c'est qu'on pourrait utiliser. Je n'utiliserai pas tous les petits cadeaux. Alors, ce sera ça. Je n'ai peut-être deux de ces papiers-là. Je ne sais pas. Alors, ici, j'ai... Alors, celui-ci, ça, c'est la même collection. Alors, probablement une page... Moi, mes pages vont être 15 par 15 ou 15.2 par 15.2. Donc, je vais pouvoir utiliser deux fois. Alors, toutes les pages qui ont des designs que je peux utiliser en entier, ça va me faire quatre pages, vous imaginez. Quatre feuilles que je peux utiliser. Alors, ça, j'en ai utilisé. Probablement, là où est-ce qu'il y a le blanc, ça sera le bleu. Hein? Puis, l'autre côté, ça sera celui-là. Ça, c'est bien joli. Celui-ci, j'en ai deux. Alors, encore des petites cartes. Tout à l'heure, on en avait, mais ce n'était pas les mêmes. Alors, il y avait beaucoup de cartes sur cette collection. J'aime beaucoup cette compagnie. J'aimerais voir sur Internet à voir, excusez, qu'est-ce qu'ils font comme design, parce que je suis certaine qu'ils font plusieurs pages de cartes. Puis moi, vous savez, j'aime ça beaucoup. Beaucoup de décoration, d'embellissement. Alors, excusez. Alors, c'est ce qu'il y a derrière ici. Ça, je vais l'utiliser certainement. Alors, c'est pour ça que j'ai pris deux feuilles. Là, je vais utiliser toutes les cartes, puis je vais utiliser l'arrière ici si j'en veux d'autres. Celui-ci, j'en ai pris plusieurs parce que j'aime beaucoup faire des petites bordures, des incrustations. Alors, j'en ai une, deux, trois, quatre. Quatre, mais ça, c'est parce que j'aimais beaucoup l'autre côté aussi, les petites maisons. Alors, ça, j'en ai plusieurs. Alors, je peux faire soit des pages, soit des bordures parce qu'ils sont bien arrangés. Alors, une pochette, sûrement un devant de pochette. Alors, j'en ai plusieurs. Puis ça, si j'en ai trop, celui-là peut servir pour d'autres collections. J'ai une autre collection dessous ici aussi. Alors, celui-là, je le trouvais bien joli aussi. Hein? Ça prend des feuilles de houx, tout ça. Et puis, encore des petites cartes. Alors, ça, c'est comme des timbres. Est-ce que c'est des timbres? Pas vraiment. Alors, des petites cartes. Alors, j'en utiliserai sûrement quelques-unes, mais je vais privilégier celui-ci. Okay? Ensuite, celui-ci. Alors, des rayures comme ceci, en zigzag. Des petits sapins. Alors, ça, c'est bien joli pour utiliser un cadre ou des bordures. Mais les bordures, on n'est pas vraiment dans le sens des bordures. Alors, sûrement... J'ai quatre feuilles, finalement, comme ceci, puis j'ai l'arrière. Donc, deux de chaque, peut-être. Ici, les globes de neige. Alors, j'en ai deux, hein, deux feuilles. Parce que je voulais utiliser tous ceux-là, peut-être. Et j'aimais bien l'arrière, donc j'en ai pris deux feuilles. C'est ça qui est l'avantage d'acheter des papiers à l'unité. Là, ici, je tombe dans une autre. Alors là, moi, je les avais mis ensemble parce que je trouvais que les couleurs allaient quand même assez bien. On voit beaucoup de répétitions des couleurs, comme vous voyez. Sauf que je trouve que j'ai beaucoup de papier déjà avec celle-là, puis mon album ne sera pas si gros. Alors, possiblement que ce qui me restera de chute de lui, je pourrais l'utiliser pour celui-ci. Alors, celui-là, c'est Minty Sweetest Christmas. Alors, avec les biscuits, les petites maisons à pain d'épices, toutes sortes de choses, les petits bonbons menthe, etc., etc. Alors, c'est un modèle différent. Alors, ça, c'est très joli aussi. Alors, Merry Christmas. Alors ça, on pourrait soit utiliser en découpe ou soit en fond de page. Mais j'ai beaucoup d'autres découpes ailleurs, je crois que c'est suffisant. Ça allait avec l'autre collection. C'était les cartes que j'avais tout à l'heure, mais je voulais utiliser ce côté-ci pour cette collection-ci. OK. Ici, j'ai des cartes. Ce sont toutes des cartes de 7,5 par 10. Alors, à utiliser toutes les cartes, puis regardez, vous avez l'arrière ici. Alors, probablement des cartes insérées, une pochette, quelque chose comme ça. Ou peut-être quelques-unes d'embellissement aussi. Et le sapin qui est ici, alors là, je vous fais une petite primeur. Cet album ici, probablement que je vais le faire sur l'autre album, mais je vais utiliser un petit sapin ici. Il y en a plusieurs de toute façon, parce que j'ai besoin d'un sapin pour faire le couvert de l'album de l'autre collection, la première que je vous ai montrée, qui va être assez spéciale, avec une porte. Alors ça, c'est le sapin qui est dans la maison, et puis ça va être 3D. On va avoir une porte et puis avec de l'acétate. Puis le fond va être jaune probablement, comme la lumière du soir. Quand on a la lumière à l'intérieur des maisons le soir, c'est joli avec les sapins. Et puis une petite porte peut-être qui va ouvrir, je ne sais pas. Ce serait bien qu'on fasse ouvrir la porte, qu'on puisse voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas encore comment je vais le faire, mais c'est certain que je vais utiliser un petit sapin pour ça. Mais j'en ai d'autres pour cette collection-là, pour l'autre album. Alors ça, ce sont des petites cartes comme ceci. Alors ici, Minty, ils font beaucoup des grands motifs comme ceci. Alors c'est plus difficile à utiliser, mais... Si vous regardez ici, moi, je peux facilement aller chercher ceci jusqu'ici ou plus loin, si j'ai besoin. Peut-être que cet album-là ne sera pas 15-15, peut-être qu'il sera différent.
Alors peut-être je le ferai comme 15 par 18. Alors je pourrais aller chercher la moitié ici jusqu'ici, moitié ici jusqu'ici. Puis ça, ben, peut-être j'utiliserai l'arrière plutôt. Alors ça va être intéressant pour ça. Ils ont un autre ici. Alors un des deux ici, que ce que je vais faire, c'est que je vais probablement celui-ci parce qu'on ne peut pas le couper. Alors je vais faire la page qui se déplie en 4 pour des espaces photos. Alors, l'image sera coupée en 4. Je vous expliquerai la technique. Je l'ai déjà faite, mais je la referai encore. Et puis celui-là, ben, probablement que je ferai encore couper comme ceci. Et je couperai juste en haut ici, puis ici. On verra bien. Ça, c'est bien joli aussi. On peut couper en deux ici. Alors, ça, c'est ça. Puis l'arrière est comme ceci. Lui, l'arrière est comme ceci. Ils font souvent des arrières à peu près identiques, mintés. Alors, ça, c'est moins agréable, mais bon, c'est correct parce que ça va être un petit album, celui-là. Et puis ça, c'est encore une autre feuille parce que probablement je vais faire des cartes avec une image comme ceci et puis une autre avec l'autre feuille que j'avais tout à l'heure, identique, comme ceci, avec l'arrière comme ici. Comme j'avais fait avec l'album Alice, que j'avais deux blocs, alors ça me permettait d'utiliser deux fois, une fois comme ceci et une fois l'arrière comme ceci. Ça peut être n'importe quel autre finalement, parce qu'ils sont tous du même format. Alors voilà, ça ce sont les papiers de collection. Mais là, moi je vais commencer, je ne ferai pas le... Celui de Minty, je le mets de côté. Okay? Ce sera plus tard. Alors, je vais commencer par la collection ici avec le rose et bleu. Okay? Là, je vais vous montrer ce que vous avez besoin comme matériel en plus. Alors ici, moi, j'ai, au départ, je vais le compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14. Est-ce que j'ai mon cabrier carrelé vert là-dedans? Je ne pense pas que j'aille en chercher une. Alors, je vais avoir 15 pages. Un carrelé vert ici. J'ai 15 feuilles de 30-30, 30 et demi par 30 et demi. Si vous avez ça, on verra ce qu'il nous reste à la fin. Ensuite, alors pour ce qui est du matériel comme ceci, alors j'ai deux tissus, je vais choisir, peut-être je vais même utiliser les deux, peut-être lui avec lui par-dessus, c'est du jute les deux. Alors pour la tranche du tissu, je ne sais pas encore le format de la tranche, du papier uni, alors j'ai tout plein de couleurs ici, je vais prendre le bleu. Comme ceci. Alors, ce sont les couleurs qui vont dans la collection. Le jaune, si je vois qu'il est trop clair, j'en ai d'autres jaunes. J'ai toute une série de jaunes. Alors, du papier de couleurs unies pour les espaces photos et peut-être parfois l'intérieur des petits rabats. Ensuite, j'ai de la cartonnette. Alors, j'ai deux feuilles de 30-30, plus une chute qui peut faire probablement la tranche. Ensuite, toutes sortes d'embellissements. Alors là, les embellissements, je vais vous les montrer. Là, je vais montrer les rubans avant. Alors, j'ai toutes sortes de rubans, dentelles. Alors, je me prépare un assortiment et quand j'ai besoin de quelque chose, je vais le chercher. Alors, j'ai toutes les couleurs finalement. J'ai le beige, le bleu pâle, le rouge, le bleu foncé. J'ai du blanc en ruban, peut-être pour l'attache d'album. Des petits rubans plus fins, plus minces, des dentelles, toutes sortes de petites choses. Je garde tout ça ensemble. Comme ça, quand j'ai besoin, mais je n'ai pas à chercher dans toutes mes choses. J'ai cherché tout au début, au départ. Ici, j'ai des petites attaches parisiennes. Alors, je vais probablement utiliser des jaunes ici. Pour cet album, parce qu'ils ne conviennent pas pour les autres. Alors, les autres couleurs. Alors, ces deux-là, je vais les utiliser pour cet album. Puis les autres sont des couleurs plus traditionnelles. Alors, probablement, je vais les utiliser pour l'album traditionnel. Oui, c'est ce que je vais faire. Alors, juste c'est ceux-là. Alors, vous avez des attaches parisiennes quelconques. OK. Vous en mettez de côté, les bonnes couleurs. Peut-être que je vais sûrement avoir d'autres couleurs aussi. Alors, je chercherai dans mon... dans mon assortiment ici. Je vais sortir des couleurs. Je vais mettre ça. J'aime bien mettre tout ça dans un petit pot, là. Alors, je mettrai ça ensemble. J'ai aussi une épinglette pour la tranche. Probablement, je vais utiliser celle-là. Je vais tout mettre ça dans mon petit plat. Je vais sortir ça tout à l'heure. Alors, j'ai ces stickers ici qui sont vraiment très jolis. Alors, c'est certain que je ne vais pas utiliser toutes les feuilles ici. Alors, je vais voir ce que j'utilise dans ça. Et puis, ils sont préparés les deux. Alors, ça fait que j'ai beaucoup d'assortiments. Alors, ça aussi, ça a été un joyeux courrier. Je vais mettre dans la liste, dans la boîte de description, qui les a envoyés. Et puis, parce que j'aime bien les nommer, parce que, même si ce n'est que leur prénom, parce que je veux qu'elles voient que j'apprécie, puis j'utilise ce qu'elles m'envoient. Tout ce que vous m'envoyez, j'essaie d'utiliser au maximum. Alors, ça, j'en aurai pour les deux, même peut-être pas pour le projet Minty, parce que ça ne va pas vraiment, il n'y a pas de brillant. Mais pour le traditionnel, les couleurs traditionnelles, je vais l'utiliser aussi. Alors, j'ai ça. Ici, j'avais un petit tampon qui m'avait été offert aussi. Alors, je vais certainement l'utiliser, surtout qu'il est en français. Alors, probablement sur le dessus de l'album encore. Je ne sais pas encore ce que je vais faire sur le dessus de l'album. Ici, j'avais ces petits... c'était bien joli.
Petite boucle, je vais peut-être même l'utiliser si je peux arriver à l'enlever. Alors, des petits sapins de Noël en bois. Ça, j'adore. Je vais en mettre un peu partout, sur chaque page peut-être. En bois, parlant du bois, j'ai tout ça ici, qui fait Noël aussi. Alors, il y a des choses qui font plus automne. Ça, c'est automne aussi. Mais on a ça ici, et puis... c'était pour mon album automne, ça que j'avais mis de côté dans la boîte. Je ne les ai pas utilisés. Peut-être j'ajouterai, j'ai l'album automne que vous avez sûrement vu le dévoilement. Alors, je vais aller en ajouter dans mon album. Je vais le mettre de côté pour ça, pas l'oublier. Alors, j'avais ceci qui m'a été offert dernièrement aussi. Je crois que c'était Marie-Christine, je crois, qui m'avait envoyé ça. Alors, je trouvais ça bien mignon. Alors, comme un genre de petit épingle à linge avec un petit chose avec un ressort qui fait que ça bouge comme ça. Alors, peut-être sur le dessus de l'album. Puis ça, je peux l'utiliser pour les deux albums, peut-être même pour les trois. Alors, j'en aurai un par album. Ensuite, ici, j'avais mis toutes sortes de choses qui se rapportaient. Alors, j'ai des choses ici. J'ai du doré et du argent. Alors, je verrai. Puis, j'ai du doré plus antique. Alors, je verrai ce que j'utilise. Ceux-ci, je vais les utiliser certainement, les petits feutres. Et j'en ai d'autres si j'ai une autre collection qui m'avait été offerte l'année dernière. Le brun était plus pâle. Alors, peut-être que je le mettrai avec la collection Minty. Parce que c'est ça qu'ils ont, eux autres. C'est justement le thème avec les pains d'épices, tout ça. Alors, je vais ressortir celui-là. Ça ici, regardez, c'est toutes les bonnes couleurs. Alors, ça, c'est certain que je vais tout utiliser ça. Ça a été fait. Je crois que c'était Alexia. Je ne me souviens pas. Je vais mettre le nom. Alors, les petits flots pour Dominique. C'est gentil, hein? Petite boucle, je vais en mettre pour décorer dans les pages. Ensuite, j'avais ces petites étoiles ici en écorce d'arbre. Trop jolie, trop jolie. Ça, j'adore ça. J'en ai mis un petit peu dans l'album... album automnal, je crois. Mais là, j'ai gardé le reste pour mes trois albums. Les trois albums vont en avoir. Et puis, ici, j'ai toutes sortes de petites choses aussi qui m'avaient été offertes par Alexia, etc. Alors, toute cette idée-là, je crois que c'est Alexia qui m'avait donné cette idée. Alors, regardez les petits cadeaux. Ça, je sais pas, je crois que ça a tombé de morceaux. Des boules de Noël, des petites enveloppes de souhaits. On peut mettre quelque chose à l'intérieur, je sais pas. C'est trop mignon, vraiment, vraiment, vraiment. Alors, peut-être que la personne qui me les a offert pourrait me dire à quoi ça sert, ça. J'aimerais bien savoir. Toutes sortes de petites découpes, regardez. Ça va tout dans cet album-là, dans les albums avec le rose, le bleu. C'est tout parfait. Tout ça ici, rose, bleu, vert, c'est tout parfait. Toutes sortes de petites découpes. Alors, ça, c'est très précieux. Celui-là, je l'ai mis de côté, mais finalement, le bleu, c'est pas le bon. Peut-être. J'ai des cadres bleus ici. Ah oui, il y avait des cadres qu'ils m'avaient envoyés. J'avais mis ceux de côté. De bleu pour l'album, parce qu'il y a du bleu foncé aussi dans les papiers, comme vous avez remarqué. Ici, alors on peut percer ici, ça fait comme une petite carte étiquette. Alors peut-être que je l'attacherai avec une ficelle qui sera libre comme ceci. Les gens pourront la tourner pour écrire quelque chose, je ne sais pas. Peut-être mettre dans une pochette. Ici, on a des petits pistilles pour les fleurs. Alors je ne suis pas certaine de mettre les fleurs, alors je ne sais pas si je vais les utiliser, mais je les garde ici au cas où. J'ai des petits séquins comme ceci. Je vais sûrement faire un shaker, ça c'est certain. Alors, d'autres motifs comme ceci, ça, c'est encore avec un petit attache pour faire une petite décoration. J'ai des cœurs ici en bois, en écorce de bois. Ici, Merry Christmas, peut-être un par album, finalement. Des étoiles, voyez, tout ça, des oiseaux, tout ça, des petits napperons. Et puis, ici, des boucles. Alors, je trouvais que c'était les bonnes couleurs, là, je les avais mis là. Peut-être pas le bleu ici, mais... sûrement le bleu foncé. Alors, c'est ça. Puis aussi, votre papier de base. Alors, ayez au moins une quarantaine de feuilles. Alors, vous savez, des paquets de 50, c'est parfait. Alors, moi, je vais utiliser du 300 grammes pour le papier de base, mais vous pouvez utiliser du 220 à 230, jusqu'à 250. Pourvu que quand vous tenez votre papier, je vais vous montrer. Alors, si vous tenez votre papier, voyez, moi, comment ce qu'il descend. Je le tiens avec mes doigts ici, mon pouce, OK? Mes doigts derrière, comme ça. Alors, il descend peu. S'il ne descend pas du tout, c'est trop épais. S'il descend jusqu'ici, ça va. Mais ça, ici, c'est trop mou. Alors, on peut aller de ici à ici. OK? Même ça, c'est vraiment limite. Ce serait mieux de l'avoir comme ceci. Alors, vous prenez votre papier, vous mettez comme ça, vous comparez avec ma vidéo, ici, que je vous montre. Puis vous allez voir si votre papier est correct. Parce que d'une compagnie à l'autre, le grammage n'est pas le même. Alors, c'est difficile pour moi de vous dire, oui, votre 250, il est bon, mais peut-être qu'il est trop épais, dépendamment de quelle compagnie il a fait.
Alors voilà, c'est tout le matériel. Et puis, il y a des aimants, des attaches parisiennes, des embellissements, ça c'est comme vous voulez. Hein. Vous n'avez pas besoin d'acheter les mêmes embellissements que ceux que j'ai ici. Alors, peut-être même que l'album, vous ne ferez même pas pour Noël. Peut-être vous ferez un album de mariage ou peut-être un album de naissance. C'est comme vous voulez. Alors, je vous reviens dès demain. Et puis, on commence la série avec les bases de pages et puis les doublures de pages. Alors, c'est différent. Vous allez voir parce qu'on a deux directions de pages. Une direction comme ceci, une direction comme ceci. Alors, je vous reviens dès demain. À bientôt. Merci. Bye bye.